De récents sondages sur le référendum en Grande-Bretagne sur le Brexit montrent que le pays est divisé sur son avenir avec l'Europe. Les arguments pour ou contre le maintien dans l'UE tournent autour des avantages économiques et de la peur de l'immigration. Reportage dans deux villes aux perceptions très opposées. Une cité mondialement connue pour son université, parmi les plus anciennes au monde. Les scientifiques de Cambridge ont rallié le camp du maintien dans l'Union européenne. Il y a d'énormes craintes autour de moi à Cambridge. Des gens qui vivent ici, qui travaillent dans les universités, qui travaillent dans le secteur des hautes technologies, dans les hôpitaux. Ils sont très inquiets des conséquences que le Brexit pourrait avoir. Ils voient des effets très négatifs en cas de sortie de l'UE. Dans cette entreprise qui fait de la recherche antibactérienne, il y a la peur d'être isolé. Ce qu'il y a de positif à faire partie de l'Europe, c'est que nous avons un accès direct à 30% du marché mondial des médicaments. Le Royaume-Uni seul ne représente que 3% du marché, les États-Unis 40%. Si nous sommes en dehors de l'Europe, nous nous retrouvons seuls. L'ambiance est bien différente à moins d'une heure de train de là. Peterborough est un bastion historique de l'euroscepticisme. Le parti de l'indépendance du Royaume-Uni, UKIP, affirme que l'immigration provenant des pays de l'Est de l'Europe a fragilisé la société. Peterborough est très différente de Cambridge. Elle a connu d'énormes niveaux d'immigration ces dernières années, surtout pour les emplois mal payés de la classe ouvrière, ce qui a eu pour effet une compression des salaires. Cela n'a pas d'intérêt économique pour la ville et cela met une pression intense sur la qualité de vie ici. Ce message résonne avec les préoccupations des votants. Je n'ai rien contre les immigrés, mais ce pays devient un peu trop surpeuplé pour la superficie que nous avons. C'est pour ça que je vote pour le Brexit. C'est juste mauvais, ces frontières ouvertes, tous ces gens qui arrivent. Je n'ai pas de problème avec eux s'ils travaillent, mais beaucoup ne travaillent pas. Deux semaines avant la tenue de ce référendum historique, le camp anti-UE exploite à fond ce sentiment anti-immigration. Le Premier ministre pro-européen David Cameron tente, lui, de vendre aux Britanniques les bénéfices économiques d'une Union européenne avec laquelle ils ne se sont jamais sentis très à l'aise.